Te voilà enfin seul. Tout va bien? Hola! N'essaie pas de me trouver, tu vas me faire repérer. Fais plutôt comme si de rien n'était. Lucia nous a informés de votre mission à tous les trois. Et je vous ai suivis avec les éclaireurs après votre départ du camp Bridglas. On vous a vu entrer dans la gare de Tertium. Puis on a attendu votre retour. Quand Alfino et Alizé sont ressortis avec un étrange équipement Magitech autour du cou, on a plus ou moins compris la situation. Tu peux m'en dire plus sur l'état des troupes adverses? Combien sont-ils dans la gare? Et que cherchent-ils à faire? Oh, le général de la première légion en personne. Eh ben. Et donc, ils attendent les renforts de la 10e légion pour attaquer cette tour de Babil. Je comprends mieux maintenant. Ça nous laisse un peu de marge pour mettre un plan sur pied. Nos camarades de la délégation ont reçu des nouvelles intéressantes. Et si tout se passe comme prévu, on pourra vous sortir de là. Pour l'instant, je veux que tu continues à coopérer avec les Impériaux. Et surtout, que tu protèges Alfino et Alizé, d'accord? Bon courage, l'ami. À très vite. Nous revoilà. On a cherché à droite, à gauche, en vain. Comme d'habitude. C'est encore toi qui es tombé sur le gros lot. Enfin bon. Je n'attendais pas grand-chose de cette expédition, mais c'est de pire en pire. Peu importe. On a trouvé ce qu'on était venu chercher, alors pas la peine de s'attarder ici plus longtemps. Rentrons à la gare.
Ah, te voilà. Vous étiez parti chercher du céruléum, n'est-ce pas? Alors, la pêche a été bonne? Pas vraiment, mais ces trois-là se sont bien débrouillés. On aura au moins de quoi se chauffer un moment. Ah ouais? On m'avait parlé de sauvages, mais ils ont l'air plutôt dociles. En tout cas, tant mieux. On commençait à cailler sévère. Et même avec du chauffage, on tiendra pas tous jusqu'à demain. Alors, soldat, mission accomplie? Oui, général. Bien. Tu iras remplir les réservoirs de nos armures Magitech. Mais, général, je croyais que ce carburant était destiné à chauffer le camp. L'heure de la contre-offensive est arrivée. J'ai à parler avec mes troupes pendant un moment. Ne croyez pas que je relâcherai ma garde pour autant. Nous continuons à vous surveiller de très près. Alors tâchez de vous tenir à carreau. De quoi parlait-il, à ton avis? C'est quoi cette histoire de contre-offensive? Je l'ignore. Mais c'est en rapport avec leurs armures Magitech. Je me demande s'ils comptent les utiliser maintenant ou après avoir retrouvé la 10e Légion. Que pourrions-nous faire pour aider ces gens à partir d'ici? Pour qu'ils retrouvent les contrées douces et paisibles dont parlait Julius. Vous avez déjà fini? On va procéder à un échange avec votre délégation. Des vivres et du matériel en échange de toi et ton frère. Vous serez gardé en lieu sûr en attendant. Vraiment? Après tout ce qu'on a fait, vous allez nous jeter au cachot comme de vulgaires prisonniers? Les ressources de nos alliés sont tout aussi limitées que les vôtres. Que comptez-vous faire quand vous les aurez tout épuisées? Je veux que tu continues à coopérer avec les Impériaux. Et surtout, que tu protèges Alphino et Alizée, d'accord? Emmenez-les.